Et salut tout le monde, c'est Draken. On se retrouve donc pour la suite de nos aventures sur Paper Mario The Origami King. Et aujourd'hui, on se retrouve à nouveau dans le sanctuaire de l'eau à la recherche de l'esprit. Mais bon, on a fait la moitié du temps pour réactiver l'écoulement. Maintenant, il faut qu'on active la deuxième moitié. Aujourd'hui, on est sur Paper Mario, ah, c'est ça. Ben, Paper Mario, ça commence mal, on se fait déjà agresser, hein. Hop là. Ah, ça y est, le bot a réagi, vous avez vu? C'est ce que j'ai dit, on est quasiment à 5 minutes de live avec la musique, mais... Ça, il a enfin réagi. Allez, on garde tout ça. Parfait. Hop là. Ah, un passage secret pour un coffre. Alors, avec un bloc pow. Ouah, le sac de pièces, c'est bon, je l'ai eu. J'ai eu mon sac de pièces, c'est parfait. Ouais, je vous ai à l'œil, sale bête. Ah. Interruption féline, forcément. Il s'agit de faire des conneries, ils sont toujours là. Pareil, c'est vachement loin. Par contre, ça m'a l'air plus faisable. Oh, wow. Encore une statue d'esprit de l'eau? Oui, celle-ci crache de l'eau comme un volcan en éruption. C'est à la fois effrayant et fascinant. En tout cas, ça me laisse pas indifférent. Enfin, j'imagine que logiquement, l'esprit de l'eau adore l'eau, non? Bravo, Sherlock. On laisse passer le petit crabe. Oula. Et allons voir là-haut. Ah. Un toad. Génial. J'en ai pas déjà assez sauvé. Je me suis déjà pas assez ruiné la voie. Il faut en plus qu'il y ait plus de toad. Ah. Oh, si t'es sauvé de ce temps, ils auraient pu m'appeler au bon moment. Tu es parlé de bande de batteurs. Oh génial! C'est le dernier qu'il y avait dans cette zone! Parfait! Non! J'ai marché sur le crabe! J'ai été surpris, je voulais sauter sur le côté. Hop là, pardon. Hop là. Voilà. Et un petit marteau pour calmer tout ça. Voilà, couché sale bête.
déjà ça en moins. Et qu'est-ce qu'on a du coup de ce côté de la zone? On a accès à la tête du dragon. Ok. J'adore. Allez. Et il manque de nouveau une pièce qu'on doit aller chercher. Et là-bas, je vois une fissure. Parfait. Bonjour. Je recherche encore un crabe qui aurait volé une plaque. Y a quelqu'un? Va falloir que je descende, c'est ça? Ok, déjà, ça c'est un chemin. Mais bon, je pense que je dois descendre directement en bas. Voilà. Parce que là, il n'y a qu'un petit fond de flotte. Et si on veut que ça s'écoule, ça va être compliqué. Ah, il était là! Istre! J'ai été agressé par une horde de crabes enragés. Qu'est-ce qu'il a dans la main? C'est le cercle de pouvoir n'est pas en jeu. Mario, essaie de récupérer, c'est à nous d'utiliser ça. Ok. Alors. Parfait. Allez, on va commencer par vous, comme ça je récupère mon truc. Parfait. Et de deux. Voilà. Il est donc tour de l'ennemi, par contre sur machin. J'ai oublié d'appuyer sur bas, je voulais me. Tour de Mario. Pouvoir de l'esprit. Oh. L'esprit de la terre nous avait manqué. Ah, le piège! Il y avait une vague! Oh, les fourbes! Bon. Il y avait une vague. Oh non, tu vas pas t'y mettre, Sima. Voilà, c'est quand même bien passé malgré tout. Je suce toute votre vitalité. Non, il n'y a pas un accès au truc d'ici.
Nani. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai la porte d'un café? Oh! Eh bien, eh bien! Regardez un bout qui vient prendre un verre ici. D'accord. Oh! Qu'est-ce que je peux te servir? Bon ben, un café? Oh, je dois dire, je ne m'attendais pas à voir un jour entrer ici, Mario. C'est censé être un endroit secret. Les sbires viennent ici se détendre après une longue journée d'aller et venu à patrouiller. C'est surréaliste de servir l'ennemi, mais tu es de notre côté cette fois, alors je vais faire une exception. Oh tiens, tant que t'es là, Mario, t'es bien d'accord que les Goombas sont, plus forts que, sont le plus fort des sbires, hein? En général, c'est bien nous que t'affrontes en premier. On est la ligne de front, c'est nous quand même. C'est la preuve que nous sommes les sbires favoris de Maître Bowser. Nous, les Goombas, on se donne à 110%. Oh. Oh. Oh, quel rêve, mon pote. On nous sommes donnés à 120% de partout. Et tous les jours, ces favoris, oh, c'est les mascars. Oh, tiens. J'ai piloté la coupe à mobile du patron pour le grand sauvetage du château de Peach, hein? En mascars. Et le type en origami qui a semé toute cette pagaille, hein? Hein? Il paraît qu'il s'était déguisé en mascars. Oh. Fermez-la, tous les deux. Désolé, Mario. Oh, ces deux-là sont toujours en train de se disputer comme ça. Les Goombas, les mascars, Mario, tous les sbires. Ah, on est tous faits fait de papier. Maintenant, buvez, les gars. Ça fait aucun sens, mais j'ai adoré. Donc, parfait. Par contre, il n'y a toujours pas de flotte en bas. Hein. Bon. Tâchons de bien réussir ceci. Alors. Oh, j'ai l'impression qu'on peut glisser un panneau dedans. Bon. Ok. Je sais pas ce que je fais. Je pense que je suis en train de faire n'importe quoi. Une petite... Non, il faut bien que je m'éteigne. Non, attendez. Le panneau que je dois insérer tourne dans ce sens. Il tourne vers le bas. Le mec qui est paumé dans son énigme. Alors. Si je fais ça, ça marche normalement. Si on se tape tous les déplacements que j'ai fait, on n'est pas sorti. Ok, c'est bon, merci pour l'ellipse. Ah! Saloperie de jeu. Voilà. Je casse tes murs pour la peine. Bon. C'est le moment d'être intelligent. Ce qui va nous prendre sans doute beaucoup de temps. Déjà, vu la direction, c'est obligatoirement cette pièce qui va là. Si
On veut que ça corresponde. Ça, il faut que je le mette là. Comme ça, ça va. Lui là, ça indique par là. Donc ça va par là. Donc alors maintenant, il faut que je change en bas. Ok. Tac, tac, tac. Maintenant, je veux changer celui-là. Là. Au secours! Au secours! Tap. Oh punaise. Qu'est-ce qu'il aura pris de foutre ça là-dedans? Attendez, attendez. On tient peut-être un truc là. J'ai fait n'importe quoi mais on tient peut-être un truc. Non, non, non. Au secours! On reprend depuis le début. Ça, je veux que ce soit là. Ensuite, j'aimerais que ça descende. Pour descendre, il faut que je mette la boucle que je n'ai pas. Après, j'aimerais que cette pièce centrale soit sur la droite. Non, tac. Voilà. Je veux qu'elle soit là. Voilà. Ça permet de mettre ça là. Maintenant, ça, si c'est comme ça, ça me fait quasiment tout le circuit. Sauf que j'ai rien pour relier à là-dedans. Donc, c'est pas ça du tout. Oh, c'est en train de m'énerver. Oh, c'est déjà en train de m'énerver. Pas la solution cachée quelque part dans le décor. Allez, tac, on va placer la pièce, que ça me réinitialise tout. Ouais, ouais, allez. Plus vite, c'est pas ça, c'est pas bon. Oh merde, non, ça réinitialise pas en plus. Oh, j'ai cru que ça réinitialisait les trucs. Olivia. Allez, on n'utilise jamais d'argent, on va s'en servir. Ah ouais, un petit indice, hein, j'ai demandé le machin, il m'a donné la solution tout de suite. Ok. Donc le trajet doit ressembler à ça. C'est un S. Faut que ça fasse un S. Donc, là je veux que ça soit là. Voilà. On était genre à deux pas de la solution depuis des plombes.
puis des plombiers. Va te coucher, mon boss. Je pense que t'as besoin de sommeil, là. Hop là. Et on arrive ici, c'est parfait. Et la porte est ouverte, si c'est pas beau tout ça. Oh, ça y est, Despido a la gueule ouverte. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air féroce. On dirait qu'il va surgir. Ah, oh, mais va, dans sa bouche. Je rêve ou c'est un escalier? Oh, tu crois qu'on peut s'y aventurer ou c'est juste une ruse pour nous manger tout cru? Vite! C'est bon. Allez. Direction le boss. Oh, tu crois pas que tu devrais sauvegarder? Non. Sauvegarder, c'est pour les faibles, pour les fins de tournage. Oh, l'effet d'eau est sublime. Putain, on est dans Paper Mario et l'eau, elle est d'une qualité. L'eau est encore plus belle que dans Breath of the Wild. Oh. Ah. L'Espillo est un origami, lui aussi. Ah. Comment est-ce qu'il a pas pu... Il a bien pu se retrouver plié comme ça. Il n'a même pas la tête d'une statue de l'entrée. Oh, il faut qu'on l'aide à remettre les choses à plat. Oh yeah. Ah, regarde toute cette trompe d'eau. Je m'attendais bien sûr à ce que les spies sachent contrôler l'eau, mais pas comme ça. Ok. C'est le moment de réflexion. Moi, je démarre d'ici. Je vais aller là. Je vais là. Je vais activer les trucs. Je vais activer le pouvoir d'origami. Là. Non ! Ah. Oh non, Empire sauvé, il faut rien pour t'aider. Ah merde, c'est pas comme ça, putain. Alors il va falloir que je me rappelle comment ça se joue. Hein. Ouf. Ok. Là il se recharge en eau. Pas tous, il a l'impression que l'esprit est en train de se gorger d'eau. Il a absorbé cette eau comme une éponge. Levé de tronc. Bon. Je me rappelle bien. Comme ça. Là-dedans. Ça va donc nous activer le pouvoir des mains. Et comme ça. On va tester. Voir si je me rappelle comment. Chasse d'eau. Ouais. Il a enlevé le truc là. Il essaie d'eau, prend son envol. Rabattez-le au sol d'un saut. Puis asseignez-lui des coups de marteau. D'accord. Donc là on monte, on va là. On active ça. Ok. Là on laisse faire. D'accord, par contre ça me fait tomber. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai compris comment il va falloir faire. Ouah, déjà va falloir être prudent.
les tornades. Donc ça va m'enlever tout ce qui va être sur ma route. Là, j'aimerais mettre le cœur là pour me soigner. Ok. Et mon attaque ici. Dans le doute, je sais plus s'il faut faire ça, donc on va faire comme ça pour faire attention. Ok. Petit heal. Du coup, on va sauter dessus. Voilà, maintenant qu'il est au sol. J'ai croisé ma gueule. Ouais. Non, il s'envole là. Au nouveau que je. Hé gros frère, il y a une mise quelque chose, soit sur tes gardes. Ok, donc là il y a des trompes de partout. Qu'est-ce qui est le plus conseillé? Utiliser les flèches. Ah, sérieusement, utiliser les flèches. Ah, vous pensez que ça marche comme ça hein? Donc on va juste. Ok, chasse d'eau. Ok. Allez. Merde. Vague géante. Là, je pense que je vais prendre cher. Wouah! Cette vague était énorme. Ça m'étonnerait pas qu'il en fasse le coup. Il faut qu'on trouve un moyen de se protéger d'ici là. Ah, cette attaque est visiblement. Profitons-en, c'est l'occasion. Tu m'étonnes. Alors. Ah, quand même, piqué pas mal. Ok. Où l'interrupteur est. Non mais sérieusement on. Attendez. Ok. Non putain, ça va pas passer. Putain, je vais pas pouvoir utiliser le pouvoir. Attends ici. Ok, ça devrait passer. Oh. Arrive du boss. Ok. Oui, le jeu m'avait dit dodge, mais bon, faut que je me rappelle aussi un peu, hein. Là, si je reste comme ça, je vais pouvoir tout traverser, remonter. Donc je peux simplement, si je le souhaite, me rajouter des bonus. En bonus, je vais me mettre une attaque en plus et ça. Ok, ça me paraît bien. Allez. On grimpe, on chope ça. Ok, on va prendre les bottes brillantes, faire un max de dégâts dès le départ. Hop, une fois. Deux fois, comme ça tu restes.
Ok, il va commencer à se regorger de flotte. Allez. Esquive. Donc là, je vais là, ça va me faire remonter là. Et si je laisse comme ça, ça va me faire tourner pour remonter par là-bas. Si je veux pouvoir l'attaquer, faut que je mette ça ici. Il y a moyen. Il y a de nouveau moyen de se mettre un bonus. Donc on va laisser comme ça. Non mais c'est pas mal à regarder et à jouer. En vrai, moi j'aime bien faire ça. Non, il va esquiver. Tout à l'heure, je sais plus si tout à l'heure il était posé. Dans le doute, on va éviter de perdre une action. Voilà. Aïe, trop tôt. Deuxième gorge de flotte. Des flèches là, ça va m'emmener. Mais de toute façon, le bonus de soin va disparaître. Sauf si je le rebouge peut-être. Ouais, je peux faire tout un truc complet. Dans ce cas-là. Et ça va être un peu con en fait. Ok. À me permettre de me heal encore un coup. Là. On remonte. Et double botte de fer. Voilà. Parfait. Ok, reste à terre. Oh, j'ai réussi une garde. Non, il est d'accord. Non, il se renvole. Et à nouveau, bon frère. Ok. Donc. On va pareil. Des flèches, tac. Que je veux avec les flèches. Alors. Ok, là, mais je veux activer ceci. On va voir si j'ai compris. Je veux vraiment tester, voir si j'ai pigé le truc. De pouvoir activer. C'est bon, normalement je suis assez en hauteur là. Par contre, ok, donc il a pas pris de dégâts mais il me laisse en hauteur. Là il va attaquer. Méga vague et cette fois ça me touchera pas. Yes. Et maintenant qu'il est à terre, on en profite et on le finit avec les avec la compétence des points. Ok. Parfait. Ouya. Muda, 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 muda. Ben voilà. Plus le bonus pour avoir fini avec le super point. C'est parfait ça.
Et on a vaincu les Speedlo. Oh, regarde Mario, les Speedlo s'est métamorphosé en codex tout comme le précédent. Grâce à ça, on va pouvoir utiliser le second pouvoir. Alors si je fais ça, je devrais... Ah ouais, je vois, d'abord on marque tous les plis, hein, ensuite tu rabats cette partie, ah, puis tu retournes, tu replies. Ah bah ça va alors, j'ai compris. Wouhou! Oh, j'ai démystifié les plis du grand esprit de l'eau. Allez, essayons le pouvoir, j'ai hâte de voir ça. Transformation! Ah ben, est-ce que j'ai aussi fière allure que les Speedlo? Oh, j'ai l'impression d'être très... très hydraté, surhydraté. Je sens même que je déborde. Oh, je répands. Oh, c'est... Oh, je vais... Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Ah, oh, fallait que ça sorte. Oh. Oh, tu vas regarder? Oh, j'étais comment? Oh, j'avais la classe, hein? Oh, dis-moi que j'avais la classe! Bon, allez, avec ça, on va pouvoir remplir le lac maintenant! C'est parti! Ah, ma PF, faut toujours que j'exagère! Allez! Bobby, t'es là? Oh, j'étais sûr que tu serais allé te perdre quelque part. On t'a raté quelque chose? Des Speedlo étaient super cool et on a un nouveau pouvoir. Oh! Oh, c'est vrai? Oh, tu dirais que l'esprit valait le détour? Mais il contrôle juste l'eau, non? Oh, si l'occasion se présente à nouveau, j'essaierai de le voir, moi aussi. Oh, l'occasion se présentera bientôt, t'en fais pas. Retournons au lac et on lui montre. Allez. Non, j'ai pas envie de combattre. Non, j'ai pas envie de combattre. Zut. Mauvais sens. Hop là. Là, raté. Non. Allez, on retourne au lac. Pouvoir de l'esprit. J'adore ces transformations. En vrai, c'est tout con. Mais après nous avoir fait le coup de Nintendo Labo, ils nous auraient fait une édition Paper Mario version collector avec le nécessaire origami pour faire chacun des esplis. J'achète. Franchement, moi j'achète. C'est débile, mais j'achète. Une petite collection d'origami spécial Mario machin, moi j'aurais dit oui. Mais cette eau, mais la qualité de cette eau, regardez-moi ça! Ouais. Alors Bobby,
Qu'est-ce que tu dis de ça? T'as déjà vu autant d'eau de ta vie? Maintenant qu'il peut user... maintenant qu'on peut user la barque, on peut suivre le serpentin bleu. Ouah! Oh, pour être cool, c'était cool. Oh, désolé d'avoir douté. Oh, je n'oublierai jamais cette journée de si tôt. La barque! Wouhou! On peut suivre le serpentin! C'est parti! Je galère un peu là! En 2D, je sais pas faire! T'as pas l'air évident! Essayez! J'irai me faire pardonner pour vous avoir abandonné devant le sanctuaire! Ah! J'ai pas de bras! Quoi? Après tous ces efforts, c'est une rame qui nous tient en échec. Y aurait pas quelqu'un dans le coin qui pourrait nous aider à ramer? Je suis demandé au petit singe remuant là-bas. Bonjour petit singe, tu saurais pas où on pourrait trouver un canotier dans le coin? C'est lui le canotier! Ah, mais ça va pas! C'est comme ça que les singes disent bonjour! Non, non, il a filé! Il a même pas répondu à ma question! Où est-ce qu'il a bien pu aller? Il a acheté une conserve? C'est déjà une réponse en soi! Peut-être laissez-moi tranquille, tu m'emmènes pas bien le singe! Non, mais moi je connais hein, le hic hic, là je peux te le dire, hein, t'as insulté sa mère! Hein. Ah là là! Bon. Le singe. Allez. Non. J'ai peut-être une idée. C'est pas le singe à proprement parler. Qui nous a parlé de faire une fiesta de conserve? Oula. Olé. Mes amigos ont répondu présent à mon appel à la fiesta des conserves. L'un d'entre eux doit apporter une nouvelle boîte. Mais il me demande s'il ne s'est pas perdu dans le clos de foin. Quoi que tu pourrais aller le chercher et lui montrer le chemin. Ah, le singe, il est là-bas. On va aller chercher le singe. Petit singe! Ah, trouvé! Tu pourrais essayer de donner quelque chose au singe? Ouais. On va lui donner la boîte de thon. Oh. Ça alors, il aime pas le thon en boîte. Ah, peut-être que le problème, c'est qu'il a pas de fourchette. Non, le problème, c'est qu'il peut pas l'ouvrir. Il nous faut quelqu'un qui l'ouvre aux boîtes. Quelqu'un qui dormirait dans les hautes herbes. Vous me suis endormi. Oh, je suis venu faire la fiesta. Est-ce qu'elle est, cette fiesta? Ah, bienvenido à la fiesta des conserves, amigo, y t'attendez. C'est quoi ça, des raviolis? C'est ravissant. Prépare-toi à dégratter jusqu'à l'épuisement. Il ne manque plus que l'amigo responsable de l'ouvre-boîte. Après, ce sera la fiesta. Forcément. Alors, où est-ce qu'il est le dernier? Oh punaise. Combat par vague, c'est pas du tout ce que je voulais, mais pourquoi pas. Bon. Pas le plus optimisé. Ah, quand ils sont énervés, je perds le bonus. C'est intéressant à savoir, j'étais pas au courant.
Voilà. Les deux, c'est fait. Oh, bombe. Oh, comment il pique. Allez, perds tes ailes. Et meurs. Comme ça, moi, ça m'arrange. Hop là, alors... Voilà, là j'ai le bonus, mais bon, je sens que je vais me piquer. Donc on va prendre les bottes en fer. Voilà. Ça c'est parfait, c'est fait. Tout est génial. Tout est super génial. Ah, barre-toi le masque-casse. Casse-toi le masque-casse. Ça va, ça va nous faire tomber en bas. Là, j'ai pas envie d'aller en bas, je cherche. Ça, c'est un ennemi, on est d'accord. Moi, la paix. Masque-casse, ennemi. Ennemi. Ennemi, ennemi. Bien, c'est où il est? Je sais pas si c'est moi qui suis bigleux ou quoi, mais j'arrive pas à le voir. À gauche pour l'amigo. Et là, on a ça, on est d'accord. Je pense que là, j'étais trop à gauche, en fait. Oula, je vois le truc. Là, je l'ai pas vu pendant le combat. Oh, faut pas bien m'enchaîner comme ça, les armées. Cherche une fête. T'aurais pas vu une fête? Tu m'aides à trouver une fête? S'il te plaît, monsieur. Tout le monde a fête. Merci, Shira. Oh, ma fête! Si merde, monsieur! Ah, ça y est, on est au grain complet! La fiesta de la cancerra va pouvoir commencer! Hurra! Tan 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 tan! On va ouvrir! On va ouvrir! On va ouvrir la cancerra! Tu n'as pas prou, tu ne résisteras pas! L'ouvre-boîte de ma grâce! Ouvre la boîte! Tu vois quoi? Hop, je dis bien que j'ai oublié. Hop, je disais bien que j'ai oublié un truc. Amigo. Tu avais une mission. Une seule et unique mission. On a même fait une réunion spéciale pour ça. Et tu as réussi à oublier l'ouvre-boîte. Comment on fait maintenant? Comment on fait nous, hein? Poder Vista. Comment on fait? On a faim. On a tous faim. Les ouvre-boîtes, c'est pour les faibles. Et je suis pas faible. Ah, bravo, champion. Avec un alter pareil, tu vas pouvoir nous ouvrir les converses à la chaîne. J'ai stade de la conserva pour commencer. Tan 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 tan. Tu peux nous ouvrir la conserve? Merci. Merci! Ah, c'est sûr que c'est quand même original comme ouvre-boîte. Des conserves, je vais ouvrir des conserves! Le masque-casse, il est en train de nous faire son meilleur solo! Allez, toi, tiens! Hop là!
Ah voilà, qui aime le temps, hein. Et il mange pas, il engloutit. Ah, j'espère cette fois, il est là-bas. Remends-lui où on peut trouver le canotier. Voilà où il est, ton canotier. Ah! Ah! C'est Mario! Merci, petit gars! Désolé pour les visites tout à l'heure. Et à force de faire le sage, on finit par prendre le pli. Je suis le toit de canotier! Le seul et unique guide rameur diplômé du Mont Merveille! Le guide? Rameur? T'es un rameur? À dire qu'on, justement, on voulait te demander pour en trouver un. Et donc, tu sais manier la rame de la barque qui est sur le lac. Ah, pour sûr! Pourquoi vous voulez faire un tour sur la rivière? Ah, ça serait de bon cœur de vous faire par la maison! Partons de ce lac et, si vous avez besoin de moi, c'est là qu'il faudra me chercher! On va pouvoir enfin remonter la rivière en barque. Allez. Et la rivière, on la remontera dans le prochain épisode. Voilà. On va s'arrêter ici pour celui-là. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Paper Mario. C'était Drakkane. Ciao tout le monde.